Wesh les gars, c'est Sergi. Bienvenue encore sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur Ligue des Masters. Je sais pas, c'est épisode 5, je crois. Et aujourd'hui, on va voir où est-ce qu'on est arrivé. Donc, je vais vous montrer directement le calendrier. Donc, voilà pour le calendrier. Attendez, je diminue un peu la musique parce qu'elle est trop forte, je trouve. Voilà, donc nous sommes en janvier. J'ai acheté un nouveau joueur. Je vais vous le présenter. Ça, c'est les. On s'était terminé contre quel match, si je me souviens bien. C'était contre Liverpool, je crois. Ouais, on avait battu Liverpool 4-2. Ensuite, on a fait un but partout. Donc, c'était contre Rayo Vallecano. C'était 2-2. Ouais, c'était 2-2. Et puis après, j'ai perdu un match contre Elche. On était dans une série incroyable de mauvais matchs. Mais après, j'ai renoué avec la victoire. J'ai battu l'Atlético Bilbao 1-0. Ensuite, j'ai battu Girona. Ensuite, j'ai fait 0-0 avec Rayo Vallecano en Copa del Rey. Après, j'ai gagné. Je suis passé. Ensuite, aujourd'hui, on va jouer avec le Real Valladolid. Et après, on va enchaîner avec Atletico. Et puis, on va jouer aussi avec Valencia. Et pourquoi pas, on jouera aussi avec le Celta Vigo. Après, il y aura peut-être des grands matchs. Après, on verra. Mais donc, pour le moment, après en huitième de finale, on rencontrera le Tottenham en Champions League. Donc, ça sera des gros matchs. On aurait pu avoir un gros morceau, mais on a été chanceux. Et donc, nous avons un jeune joueur, un nouveau joueur. Attendez, je vous l'ai présenté. Je vais. C'est où est-ce qu'on va encore? C'est dans. Je crois négociation. Non? Oui, négociation, je crois. Mon équipe. Je vais vous présenter ce joueur. C'est Dusan Vlahovic. Est-ce que je peux aller Dusan Vlahovic? Est-ce qu'on peut aller le voir? Donc, j'ai pas encore trop utilisé Dusan Vlahovic, mais je trouve qu'il n'est pas encore en forme. En fait, il doit s'habituer à notre style de jeu. Ouais, vous voyez, jeu de possession, c'est ce qu'on joue. Passe court, c'est ce qu'on joue. Malheureusement, il joue au centre et nous, on joue écarté. Donc, ça va être un peu difficile parce que, bon. Tous les autres. Ah non, on joue en centre, nous tous. Donc, du coup, il va bien dans notre truc. Donc, je l'ai entraîné en opportuniste. Donc, tout va bien pour le moment. Allez, on va directement préparer notre équipe pour le match. Donc, on va retirer Jordi Alba. Et puis, on va mettre Marcos Alonso à la place de lui. Ensuite. On va mettre Dusan Vlahovic là-bas. Je crois que tout va bien pour le moment. Après, on jouera Atlético Madrid, donc pour remplacer autant de joueurs qu'on peut. Pedri, je ne vais pas le faire jouer aujourd'hui. Par contre, Piqué, je vais l'enlever. Je vais mettre Ronald Araújo. Parce que j'aurais besoin de lui en truc. Donc, on va laisser comme ça. Non, je préfère mettre Jordi Alba ici. Voilà. Et je préfère mettre Eric Garcia à la place de Ronald Araújo ici. Gavi va jouer ici. Ferran Torres. Ferran Torres aussi, je préfère mettre Memphis Depay pour préposer Ferran Torres parce qu'on a un très gros match face à l'Atlético. Donc, on va directement au match. Allez, c'est parti pour le match contre Real Valladolid. Je vais passer tout ça parce que c'est pas un si grand match que ça. Et donc, je me suis un peu entraîné de mon côté aussi pour m'améliorer sur PES. Il y a des choses que je ne savais pas. Comme se retourner directement face au but. Il y avait des trucs, il y avait des petites erreurs que je faisais. Je mettais tout ça au script. C'est vrai que le script, parfois, il n'est pas, il est
Parfois, c'est scripté, mais parfois aussi, ça peut être de ma faute. Donc, du coup, attention. Ouh, le poteau. Et le but, le premier but de Dusan Vlahovic. C'est son premier but de la saison. En tout cas, on est tous contents pour lui. On est très, très contents pour lui. 1-0 de sa part. J'ai cru que j'allais rater. Et vous avez vu là, j'ai laissé passer le ballon. C'est une technique que j'ai appris en appuyant R1. Donc, il y a des petites astuces que j'ai appris en fait, que je ne faisais pas. Comme passer, je passais en courant et il faut pas passer quand tu cours. Alors là, c'est. Je crois que ce match, il faut le gagner. Je crois qu'on peut gagner ce match. Donc. On va aller, je crois, avec cette équipe, on pourra gagner. Et là, s'il commence à marquer des buts, ça c'est bien. Ça va montrer que ça sera une belle doublure, surtout pour Lewandowski. Attention, j'ai failli. Ah ouais, c'est coup franc. Je crois que c'est contre nous. Allez, on va essayer de jouer calmement là. Non, j'ai très très mal joué ce jeu. Et il y a les une deux que j'ai appris comme là je vais faire, vous voyez, avec Frankie De Jong. Voilà, là. Et là, non, j'ai très très mal tiré. Pourtant, j'avais eu le temps de mettre le truc. Donc, c'est des petites astuces que j'ai appris. J'espère que ça va améliorer mon gameplay. Et c'est pour vous dire que je suis pas un professionnel de PS, faut pas l'oublier aussi. Et là, je. Non, c'était un peu trop fort. Et voilà, le premier truc que je viens d'oublier là, c'est que il faut donner une passe en courant très très doucement. Alors, pour les gens qui attendent vers une carrière, je sais qu'il y a des gens qui attendent peut-être l'épisode vers une carrière. Pour le moment, j'ai dit, je vais un peu me reposer sur ça. Attendez là. Je dis, il y a certains matchs que je n'ai pas encore joué sur vers une carrière. Et moi, je n'ai pas envie de vous montrer des vidéos avec des matchs qui ne sont pas très importants. À part quand je serai dans un club, là, je pourrais vous montrer presque tous les matchs. Pour le moment, je suis encore à l'AS Auxerre. Et ne vous inquiétez pas, je prépare la vidéo. Et je commencerai à la poster une fois par semaine. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mieux. Attention. Ah là là. Alors, le match se passe très très bien, donc ne vous inquiétez pas. On va essayer de récupérer cette balle. Et je trouve que Real Valladolid, franchement, ils sont pas si forts que ça, mais faut pas que je parle vite avant que le scripting soit contre moi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Peut-être parce que j'ai appris des choses. Non, je voulais pas passer. Voilà l'erreur que je fais. Vous venez de la voir. En fait, je passe en courant et on m'a interdit de lâcher R1. Les gens qui font ça, on m'a totalement interdit. On a dit ne fais plus ça parce que c'est ça qui abîme ton gameplay. En fait, il faut apprendre aussi à intercepter des ballons comme là je viens de faire. Donc on y va, on y va, on y va. Ça c'est Gavi. Là je peux tirer, je crois. Et là je vais. Ah non. Là je suis en train de gaspiller beaucoup d'occasions. J'ai beaucoup de d'occasions de marquer un deuxième but. Je suis en train de gaspiller. J'espère que je ne vais pas regretter après. Vous connaissez PES. Les choses peuvent changer. Et bon, c'est ça qui rend le jeu plus adorable, plus parfait. Attention, je vais passer. Là, je vais tirer. Ah là, ça n'entre pas en tout cas aujourd'hui. Faudra pas regretter à la deuxième mi-temps.
Et il y a un nouveau centre que j'ai appris quand il n'y a plus carré et L1. Ça fait un très très joli centre. Surtout si tu es de loin. Ça fait un très joli centre. Donc là, c'est juste un match d'entraînement, comme vous voyez. C'est pas un match très challengeant, je trouve. Mais j'espère que la deuxième mi-temps va me changer. Donc. Attention, ils ont failli marquer. Corner. Ils n'ont pas encore tiré au bois, si je me souviens bien. Parce que si on regarde. Ouais, ils n'ont pas encore tiré. Regardons. Aucun tir, zéro tir. Donc. Faut pas que s'ils vont comme ça tirer, ça risque d'entrer. Ça, c'est leur premier tir, je crois. Attention, c'est parti. Sergi Roberto. Je vais avec De Jong. Ça commence, ça commence. Allez, allez, allez. Attention, ça, c'était très bien joué de la part. Oh non, 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 non. J'ai failli faire une gaffe. Il commence à jouer. Mais ça ne me fait pas si peur que ça, les gars. Donc, il faudra qu'il fasse plus s'il veut le gagner. Donc, je demande mon club d'aller tous en défense parce que je sens que il commence à avoir des espaces pour eux. Et je vois qu'ils ont amené tellement d'attaquants devant parce que. Il veut gagner. Donc je vais faire une passe à deux pailles là-bas parce que je vois qu'il est seul. Et oui, ça va passer. La Frankie de Jong qui prend la balle. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop traîné. Et j'ai encore cette manie de garder R2. Parce que moi, je joue en courant avec R2. Donc j'ai cette manie de garder la main sur la touche pour courir alors que c'est interdit. Ouais, pour mieux jouer. Donc, je vais commencer à m'entraîner pour ne pas appuyer R2. Donc, dès que j'ai la balle directement, j'appuie R2. Voilà, on peut passer là. Depay et le but. Très, très beau but de Depay. Ça fait 2-0. Je crois que là, on s'assoit. Franchement, ce match, je n'avais pas tellement peur comme d'habitude. Je sentais que les joueurs sont avec moi aujourd'hui. Très très beau but, j'ai enroulé, j'ai juste appuyé 0 et R1 et puis ça a enroulé. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer à faire quelques changements peut-être. Et je vais traîner cette fois-ci parce que, attention, parce qu'on a un gros match face à l'Atlético juste après, parce que j'ai pas envie de fatiguer des joueurs importants. Attention, là, ça commence à aller. Je crois que je vais enlever par contre deux en plus de 1 parce que j'aurai besoin de lui. Je vais mettre un Pedri peut-être, non, ou Franck Kessié pour plus de défense. Par contre, Dembélé, je vais l'enlever parce qu'il est fini, les gars. Je vais mettre. J'ai oublié Rafinha. Ici, par contre, je vais mettre Alex Baldé. Et là, je crois que je vais mettre quelqu'un. Non, Rafinha, il est là. J'hésite entre Pedri et Lewandowski. Je vais mettre Pedri. Et donc. Je les laisse jouer comme ça. Peut-être j'aurais dû mettre Alex Valdé, mais non. J'ai pas vraiment d'ailier aussi. Peut-être faudra que je pense acheter un autre ailier. Voilà, là ça va. Dembélé, il est très en forme aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu faire une passe à Gavi qui je voyais qui. Allez, je vais demander maintenant tout le monde d'aller un peu devant parce que. Sans que on peut garder
C'est super bien, ça c'est très bien joué, De Jong. Non, j'ai pas voulu passer à Dembélé. Parfois, il y a aussi ces erreurs de passe. Et je crois que ces erreurs de passe, en fait, c'est quand tu cours. Et j'oublie chaque fois qu'il ne faut pas courir. Attention là. Attention, 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 attention. Voilà, là, on a très bien défendu. Donc là, c'est pour Vlahovic. Il n'a pas pu prendre le ballon. Et là, le numéro 6, il faudra que je change son numéro parce que le numéro 6, ce n'est pas franchement pour un attaquant. Je ne voulais pas encore Dembélé. Donc je crois que c'est en fait quand je cours et je me trompe vraiment de passe. Et là, c'est très bien joué. Non, je voulais pas Vlahovic. Je voulais Memphis Depay et ils ont sifflé en pensant que c'est Vlahovic qui allait le prendre. Donc des remplacements. Frankie de Jong sort parce que je préfère le préserver, surtout face au match de Atlético. Franck Kessié, je trouve qu'il est solide. Il sait récupérer les balances. Et il pourra remplacer Busquets au cas où s'il partait. Franchement, je trouve. Et j'espère que vous avez vu le match face à l'Atlético. C'était franchement un très gros match de la part de Barça, surtout défensivement. Et je trouve que, attention, la Baldé ne pouvait pas marquer. Et voilà. Il y a toujours, je trouve qu'on a des problèmes en attaque, Barça, dans la vraie vie en fait. Et là, on va voir ce que l'Atlético va nous donner. J'espère que ça va se passer comme dans la vraie vie et puis on va gagner. J'ai oublié aussi de vous montrer le classement du championnat. Je crois qu'on est deuxième ou troisième. Et on est deuxième, je crois. Et si on gagne l'Atlético, on passera premier. Bien sûr, comme dans la vraie vie. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va siffler. Très très bon match, 1-2-0. Voilà, on est deuxième. Donc, même si on gagne, on ne va pas passer devant. Donc, on aura 49 points. Donc, on sera à 1 point. Mais aujourd'hui, cette saison, ils sont très forts, Atlético. Donc, faudra gagner. Donc, on va aller sur les messages. Je parle doucement, surtout parce que c'est la nuit et j'ai pas envie de déranger les voisins. Je vous informe qu'un joueur a quitté. Ok, ça, ce sont des joueurs que j'ai prêtés. Donc, le plan de jeu, on va directement changer tout ça et puis on va mettre. Je vois que Dusan Vlahovic, il a l'air chaud. Et si on jouait avec lui en premier et puis on mettait. Lewandowski après, parce que je vois que Lewandowski n'est pas si en forme que ça. Et vu son dernier match, je crois qu'il mérite. Par contre, là, je vais mettre Franck Kessié. Ou bien je le laisse. Et Pedri, peut-être. Non, Pedri, je le laisse sur le banc. Je crois que je vais laisser même Franck Kessié. Non, je mets Pedri. Par contre, je veux laisser Franck ici sous le banc. Jules Koundé qui entre. Marcos Alonso, il est chaud, je le mets. Et puis, je mets Gérard Piqué, bien sûr, à la place de Garcia. Christensen, franchement, je trouve qu'il est solide derrière. Je voulais mettre celui-ci, mais je vois que je n'aurais pas vraiment besoin de lui. Sergio Roberto, je suis désolé. Ronald Araújo. Je me dis que je vais le mettre à la place de Christensen, mais je laisse. Peut-être je risque d'enlever Busquets. Donc il sera fatigué. Je vais mettre Franck Kessié. Voilà. Et Memphis Depay, bien sûr, il faut que j'enlève. Je mets Ferran Torres qui va revenir dans le groupe. Par contre, ici, je dépasse, je la mets ici.
Et là, Dembélé, je l'enlève, je mets Rafinha. Oui, Dembélé viendra après. Marc Ter Stegen, je trouve qu'il est fatigué. Il aura besoin de repos. Je devais peut-être le reposer au match suivant. J'ai complètement oublié. Donc, on va directement jouer le match contre l'Atlético. Très, très gros match. J'espère qu'on va gagner. Qui va débuter, oui, débuter dans quelques instants, malgré le temps très british aujourd'hui. Il a plu des cordes, il continue de pleuvoir, mais la pelouse a été inspectée par les arbitres. A priori, elle est praticable, elle sera un peu lourde, évidemment, mais le match va pouvoir avoir lieu et il s'annonce passionnant vu les talents qui sont regroupés aujourd'hui dans ce stade. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Sur la pelouse, qui faudra-t-il surveiller selon vous? Alors, on est au Wanda Metropolitano, le célèbre stade de l'Atlético Madrid. Très beau stade en tout cas. Gros match aujourd'hui. Est-ce qu'on va gagner? On va le savoir dans quelques minutes. Gérard Piqué, Morata, Pedri, Joao Félix qui a signé à Chelsea dans la vraie vie. Donc, c'est parti pour un match de malade. Qui va gagner? On va le savoir. Donc, on commence déjà à défendre. Voilà, on récupère les ballons. Donc on va directement commencer en défendant. On va essayer de garder un peu les ballons. Rafinha qui demande la balle. Donc ça sera chaud. Ça sera chaud les gars. Récupération. Très belle récupération en tout cas de... Je crois que c'est Franck Essier si je ne me trompe pas. Pedri qui joue aujourd'hui à gauche. Voilà, avec cette pluie, il faudra faire attention avec les passes à ras de terre parce que ça va pas être facile. Les ballons ne vont pas arriver. Il faudra mettre un peu plus de force que d'habitude parce que si on met pas autant de force. Donc on va jouer un peu défensif parce que j'ai pas envie de perdre aussi ce match. En tout cas, Kessier, il est fort aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu le reposer. Voilà, ça c'est Rafinha qui demande la balle. J'ai failli le passer au-dessus, mais ça n'a pas marché. Voilà, ça c'est super bien. On défend en tout cas. J'essaie d'intercepter les passes, comme on me l'a dit. Voilà. Donc. Celui qui défend, c'est pas celui qui doit forcément contrôler, que tu dois contrôler. Voilà. Et le but, non, ça marche pas. C'était super bien joué. Il fallait que j'enroule avec Ferran Torres. J'ai été surpris que le ballon m'arrive. Premier tir de notre part. Donc préparez-vous. Aussi au script, mais je crois que maintenant que je sais comment détourner un peu le script, que c'était un peu aussi de ma faute, je vais savoir comment marquer des buts. Donc Lewandowski est sur le banc. Si ça ne va pas, on va faire appel à ses services. Voilà, là on va essayer. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah non, non, j'ai très très mal joué en fait.
Il choisit la profondeur. C'est pas lui que je voulais vraiment passer. Allez, belle récupération. On va passer calmement. Et bien sûr, très très joli but en tout cas. But, premier but. Voilà, franchement, aujourd'hui, je suis très confiant. Je sais pas, peut-être parce que j'ai eu beaucoup d'informations sur PES. Je me suis beaucoup informé sur les choses. Et là, je crois que je saurais comment jouer. Et là, franchement, c'était trop facile. J'ai juste enroulé parce que je savais que Rafinha était très fort dans les enroulés. Ça, j'ai intercepté le ballon moi-même. Et puis, j'ai fait une jolie passe. Voilà. Franchement, je suis super heureux. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il met le score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Faut toujours contrôler le milieu défensif, le milieu défenseur pour intercepter les ballons parce que il n'y a que lui. Donc on va essayer. Voilà, ça c'est super bien joué de ma part. Ah non, j'ai voulu passer. Peut-être fallait que je fasse un triangle, je sais pas, là j'ai super mal joué, attention. Savic. Et voici Witzel. C'est joué long. Ballon intercepté. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est super Marcos Alonso, je le connais, je sais qu'il est fort dans les... Ah là là, il a été. J'ai voulu garder un peu trop le ballon. Je me suis fait punir. Attention, attention, faut pas qu'on prenne un but. Ça serait très dommage de cette part. Attention, faut pas. Voilà, là, en tout cas, tout va bien pour le moment. Là, on va essayer. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Bon, 1-0. Et là, tout va bien pour le moment. On contrôle le match. Je crois qu'ils n'ont pas encore tiré. Hein. Donc, ça va venir très très vite. Et espérons qu'ils ne vont pas marquer. Donc, tant qu'on va bien défendre, tout va bien se passer. Donc, il faut aussi défendre en fait. Voilà. Ferran Torres. Et là, ça c'est un centre que je viens d'apprendre aussi. Qui est différent en fait. C'est un centre enroulé. Attention, ils sont super bien récupérés. Là, 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 faut pas, faut pas. Voilà, ça, ça c'est très bien défendu. Vous avez vu comment j'ai pu défendre. Et Antoine Griezmann qui entre à la place de Joao Félix. Donc, je vois que tout le monde est avancé, donc ils sont en attaque. Je ne sais pas qui je vais passer parce que je vois qu'il n'y a vraiment personne. On va tirer vers là-bas. Voilà, ça c'est très bien. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un. Je voulais me retourner, mais ça n'a pas marché. Attention, attention, on ne peut pas. Attention, oh, ça a été chaud. Ça a été chaud là-bas, il a failli prendre un but. Il faut calmer le jeu, il faut calmer les jeux, chercher, reconstruire. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Ah là là, mais là, 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 ça commence à scripter. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Reculons un peu derrière. Voilà, on a récupéré cette balle. Et là, il demande la balle, en tout cas, ça, ça c'est bien. Peut-être fallait que je passe. En tout cas, je remplace pas pour le moment. Je trouve que tout va bien.
très belle récupération. Finir, je préfère. Et c'est le but. Le deuxième but, ça fait 2-0, les guys. En tout cas, tout va bien. Tout va bien, les guys. Ça devient trop facile. Je commence à croire que j'ai baissé le niveau. Attendez, je vais vérifier. Pas baisser le niveau parce que... Là, je commence à avoir peur de mes capacités, les guys. Ouais, j'ai super bien joué. Si je continue un jeu comme ça, je pourrais monter le niveau à Superstar. Ah, ça, c'est super bien joué, en tout cas. Ouais. L'équipe est au top. Et là, je n'ai pas envie de remplacer. Hein. Tout le monde, je trouve, ils sont impliqués. Voilà, ça, c'est... Et il faut intercepter souvent avec les tacles. Parce que... Voilà, ça c'est super bien. En tout cas, je me suis amélioré à défendre. C'est surtout quelque chose que on m'a conseillé à faire. Attention, là je vois qu'il fait un appel. Allez, maintenant je crois que je peux remplacer certains joueurs. Je crois que je vais en remplacer Ferran Torres, qui a l'air épuisé. Je vais mettre Ansu Fati. Et là, je vais mettre... Le milieu, je trouve, tout le monde est chaud aujourd'hui. Je crois qu'on n'aura même pas besoin de Lewandowski. Il a besoin de se reposer parce qu'aussi, il a joué, il a enchaîné beaucoup de matchs. Voilà, là, on intercepte tous les ballons, les guys. Donc, tout va bien. Donc, je trouve que je vais remplacer aussi le buteur parce que je commence à sentir que les gens commencent à trop se fatiguer. Je remplace toute l'attaque. Souvent, je remplace toute l'attaque et les latéraux. Et je joue en défense, je joue en défendant parce que c'est très bien joué de la part des joueurs. Ah là là là, ça commence le script, les gars, ça commence le script. Ah là, je m'attendais à un truc pareil. C'est énervant ça, c'est énervant. Remplacement, donc on a eu des remplacements, j'ai pas compris en fait. Attention à ne pas faire beaucoup d'erreurs. Allez, c'est parti, Ansu Fati. Ah là là, mais... On peut jouer la montre, mais je trouve que c'est pas vraiment fair play de faire ça à Koundé. Je trouve qu'il commence à faire beaucoup trop d'erreurs. Commence à faire beaucoup trop d'erreurs, c'est peut-être la fatigue. Je vais mettre Hector Bellerin. Ça peut partir en contre. On dégage un peu parce que je trouve que mon équipe est sous pression. Jules Koundé qu'il sort, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs sur les passes. Il a fait déjà 2 erreurs. Ouh, c'était chaud là-bas, j'ai eu peur. On va faire une passe longue directement vers... Voilà, vers truc. Là, on devait siffler, ça fait longtemps. Et ça fait 2-1, on gagne notre match. C'était franchement pas facile vers la dernière minute, mais on a bien fait de sécuriser nos buts. Très content de ce match. J'espère que vous avez eu un plaisir comme je l'ai eu. Donc, on va cliquer sur suivant direct.
Donc voilà, on est deuxième toujours, 49 points. On laisse totalement le Real 3 derrière. Atlético juste devant avec un point. Donc, on devra gagner notre match face au FC Valence. C'est un très très grand match aussi. Donc, du coup, je vais regarder. Ouais, je joue toujours professionnel. Donc, tout va bien. J'avais peur que ça c'était devenu trop facile. J'oublie, il faut que je sauvegarde aussi. Allez, notre gros match contre... Là, je vais mettre Lewandowski cette fois-ci parce que il a très bien joué en tout cas. C'est un très bon joueur. Vous avez vu Dusan Vlahovic, n'oubliez pas son nom pour ceux qui veulent l'utiliser. Là, je vais enlever, par contre, je mets Sergio Busquets ici parce que je trouve Frenkie de Jong, il a joué beaucoup de matchs, il a besoin un peu de repos. Ou bien je mets Gavi. Je mets Franck ici, je trouve, mais non, je vais mettre Busquets. Et l'attaque, je vais par contre mettre Ronald Araújo à la place ici. Et là, je vais laisser Ter Stegen. Et par contre, je vais mettre Hector Bellerin cette fois-ci à la place de Jules Koundé. Voilà, je vais sauvegarder. Gros match les guys, FC Valence contre Barcelona les guys, Cavani au FC Valence. La dernière fois qu'on s'était rencontré, on avait perdu face au FC Valence. On avait perdu 1-0. On avait dominé le match. Si vous vous souvenez, dans les premières vidéos. Et donc, nous arrivons donc à la deuxième partie de cette saison. Nous allons rejouer encore tous nos anciens matchs. On va essayer de réussir. Là, on a échoué. On va passer tout ça. Aujourd'hui, on joue avec Lewandowski. Et je trouve que là-bas, c'est la première passe. Et le premier but, les guys. Le premier but. Et voilà, Lewandowski, je l'ai reposé, je crois, pour 3 matchs, si je ne me souviens pas. J'ai trouvé qu'il avait trop joué, il avait besoin un peu de récupérer. Là, c'est sur passe de Rafinha, je crois. Passe décisive de la tête. Allez, on est reparti. On commence très très bien. Et ça, c'est bien quand on commence en gagnant 1-0 comme ça. Ça veut dire qu'on peut mettre un deuxième but directement. On jouera toujours en défensif. Pourquoi? Parce que les équipes ici, elles défendent, elles attaquent beaucoup. Voilà, très belle récupération. Ça, c'est qui? Ça, c'est Ferran Torres. J'ai voulu passer, il n'y avait personne ici. Je crois que je vais mettre neutre. Ou bien je vais faire attaque. Non, je fais neutre, c'est mieux. Allez, on récupère. Faute. J'espère qu'il n'y aura pas de carton. Non. Très belle récupération de Busquets. Voilà, super bien joué là. Ah, je voyais Lewandowski, je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était en bas. Faut pas toujours oublier, faut pas oublier de regarder la carte, le radar, pour voir où sont placés vos joueurs. Ou bien vous pouvez changer la caméra pour voir mieux le terrain.
Mais je préfère ça parce que je vois plus mieux comme ça. Et on y va. Donc il va vite sur ce côté. J'ai voulu faire la passe, mais ça n'a pas marché. Le FC Barcelone est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Gabriel. Diakabi. Je me dis que je vais commencer à entraîner peut-être aussi une équipe nationale. Je sais pas. Laquelle. Aïe, 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 aïe. Y entrer. Donc là je sens le FC Valence commence à jouer. Là je sais pas jouer, juste tirer au milieu parce que je sens que Lewandowski peut avoir gagné le duel. Aïe aïe aïe, la passe. Je n'ai pas compté les centres d'arrêt, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface ou un coéquipier capable de la reprendre, c'est juste là. FC Valence a décidé de toucher deux ballons. On va jouer en attaque parce que je vois que... Et là, je sens le script et les arbitres qui sont contre nous cette fois-ci. Parce que ça fait au moins des fautes très très faciles qui sifflent. Donc, ils veulent forcément gagner. Allez, on va dire... Ah non, c'est pas possible. L'arbitre est juste contre nous. Je sais pas ce que Arjo fait là-bas. Et voilà, je le sentais, je le sentais. Je le sentais, les gars. Je le sentais, c'était... Non. Je, parfois... Allez, une autre passe. Allez, Lewandowski, ça ne passe pas, les gars. Ça ne passe pas. Ce but pourrait bien les relancer dans ce match. Ils vont certainement chercher à faire basculer le score. Franchement, ce but, c'était du vol, les gars. C'était du vol parce que j'ai senti directement que l'arbitre sifflait des fautes qui n'existaient pas. Et j'aurais dû peut-être bouger le gardien. C'est moi qui ai été un peu distrait là. Ah non, j'ai super mal joué là-bas. On va pas le laisser passer celle-ci. Et là, c'est peut-être. Ça n'entre pas. Et comme vous voyez, nous sommes tous en attaque. Oh non, j'ai très très mal joué là-bas. Je déteste faire des bons matchs contre des grosses équipes et il y a ce script qui détruit tout. Franchement, moi, j'ai aucun problème si les autres équipes sont fortes, mais de là, les arbitres sont contre nous. Là, ça devient difficile. Bon, c'est un peu réaliste parce que parfois, l'arbitrage, ça devient du n'importe quoi. Ça, c'est super bien joué. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on a failli rater. 2-1, les guys. J'ai dit à toute mon équipe de monter, comme je vous ai dit, une attaque. On va revoir ce but. Joli passe, Ferran Torres. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe.
Bon, c'est super, c'est magnifique. Je suis super content. Là, on peut récupérer le ballon. Attention, on ne va pas que ça sorte. On va essayer de monter. Et là, c'est le but. C'est juste. On a très très bien joué là-bas. Franchement, c'était. C'était le vrai tiki-taka. Les 1-2, tout ça, j'ai aimé. J'ai senti que, franchement, la défense de FC Valence n'y était pas. Et il y avait beaucoup d'espace à faire. Il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai là, quand c'est comme ça, Ferran Torres ne peut pas rater et m'enrouler de ce temps. Voilà. Monsieur Ferran Torres, 3 buts à 1. Voilà, le FC Barcelone est au top de sa forme, les gars. Espérons que l'Atlético ne gagne pas son match et on pourra avoir la première place. Deuxième mi-temps, c'est parti. Voilà, en plus, Dusan Vlahovic n'a pas encore joué. Voilà, je crois que c'est la défense surtout que je me suis amélioré. Certes, il y a des petits scripts par-ci et par-là, mais tout va bien pour le moment. Là, il y avait faute. Là, j'accepte que c'était une faute. Regardez cette petite faute. En fait, j'ai pas voulu le laisser continuer parce que je savais qu'il m'avait déjà éliminé. Mais faire attention surtout. En dégageant, voilà, Pedri va prendre cette balle calmement, il peut protéger. Allez, on y va. Ah non, Marcos Alonso, il a fait du n'importe quoi. Et peut-être j'aurais dû faire un, lui demander de faire un appel. Il y a un moyen aussi de dire aux joueurs de faire un appel manuel. J'ai pas encore testé, mais on m'a dit, on m'a prévenu. Attention, ça passe pas, ça passe pas. Je vais contrôler, je préfère contrôler. Oh là 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 là, c'est le but. Ouh, on a eu chaud là-bas. On a eu chaud, ils ont très très bien joué ce coup. Et j'étais en catastrophe un peu en défense. J'ai fait du n'importe quoi. Donc là, je vais juste dégager vers Lewandowski parce que c'est lui qui est le plus fort dans la tête. On récupère cette balle. On joue un peu avec Marcos Alonso, Ferran Torres. Allez, Pedri va y aller. Attention. Là-bas. J'ai super mal joué. Attention, attention. Je sais que... Ouh, peut-être j'aurais dû... C'est Ferran Torres. Il a très très mal joué là-bas. En tout cas, on joue super bien ici. Regardez, j'ai récupéré cette balle, j'ai intercepté. Et là, non, j'aurais pas dû passer parce qu'il était hors jeu, je trouve. Voilà, on gagne pour le moment. Tout va bien, les gars, tout va bien. On espère gagner beaucoup de trophées à la fin de la saison parce qu'on approche la fin de la saison. Et vous allez avoir beaucoup de vidéos sur Ligue des Masters, les guys. Voilà, là, c'était super bien. J'ai voulu passer derrière vers Pedri parce que je le voyais venir. Le FC Barcelone va tirer son deuxième corner dans cette rencontre. Alors que l'équipe... Alors pour les corners, faudra que je m'entraîne parce que j'ai jamais marqué encore un but sur corner. Attention là-bas. Voilà, ça c'est... Attention là-bas. Bon, on a très bien défendu. Bon, on a failli se faire surprendre, mais tout était sous contrôle, les gars. Mais je vais devoir remplacer quelques joueurs. Je trouve Ferran Torres. Bon, je sais pas. Moi, je trouve que tout le monde est bien aujourd'hui.
Je crois pas que je vais remplacer. 3 buts à 1, tout va bien, mais je préfère que ça soit 3 buts, 4 buts à 1 parce que on connaît FC Valence et les passes de Marco Alonso. Je crois qu'il est fatigué, notre cher ami ici, Ferran Torres. Il est fini. Je sens plus, je vais devoir. Je vais mettre en sous Fatih, mais il n'a pas l'air en forme. Alors je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Memphis Depay. Et ici, je vais mettre Ousmane Dembélé. Et parce que les ailiers, ils courent trop dans le match. Et je leur demande aussi de venir défendre. Donc. Alors là, on gagne les duels. En tout cas, pour les duels, j'ai la chance d'avoir des très, très bons défenseurs. Voilà, attention, il ne faut pas qu'il fasse une faute. Voilà, attention, là, je... Ah là 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 là. Oh, voici Cavani. Un duel gagné, ballon récupéré. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Kluivert. Très belle récupération, mais ça ne va pas. En tout cas, je trouve que il y a beaucoup de choses. Je vais enlever Lewandowski et de mettre Dusan Vlahovic. J'essaie de réserver Lewandowski pour le match qui va suivre contre le Celta Vigo. On va passer tout ça. On va essayer de défendre. Là, c'est super bien. Attention. Attention, pas qu'on prenne un but. Je vais demander à mon équipe d'aller en défense cette fois-ci parce que je trouve que comment ça va beaucoup trop d'espace. C'est bien un fils de pas qui va. On va essayer. La faute. Ça, on a super bien joué. J'ai super bien joué ce coup. Là, ça peut peut-être entrer. Non, je crois pas. Je vais peut-être jouer avec les passes ici. On a failli tuer le match. Là, je crois que je vais changer parce que c'est vrai que c'est bien. Voilà, pour une fois que je fais une tête sur ce PS. Allez, c'est parti, Marcos Alonso. Je vois des pailles à Marcos Alonso. Franchement, il est super fort dans les passes triangle. Attention, faux. Très bien défendu. Non, je voulais pas du tout. Je voulais Dembélé. Non, il va pas passer. Allez, c'est parti. Hector Bellerin. Ça manquait juste un petit coup là. Pour que je puisse marquer un 4ème but, mais le match se termine 3 buts à 1, les gars. Voilà, on défend super bien. En tout cas, je me suis amélioré ces derniers jours grâce surtout à ma défense. Faut savoir défendre et toujours penser quand tu défends, faut pas juste appuyer X pour aller défendre. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Faut toujours constamment penser à comment l'attaquant va te marquer un but. Comme ça, tu vas savoir intercepter toutes les balles. Et Atlético a gagné. Toujours premier de la Liga. On va jouer notre match contre le Celta Vigo. Gros match.
plan de jeu, on va voir. Et donc, je vois que Pedri n'est pas du tout en forme. On va en profiter, mettre Frankie de Jong et Tao Bellerin aussi. Je trouve qu'il n'est pas en forme. Jules Koundé, Marcos Alonso, je vais le reposer aujourd'hui. Je mets Jordi Alba. Attendez, je change. Christensen, il a trop joué. Je mets Gérard Piqué aujourd'hui. Avec Eric Garcia, je trouve qu'il n'est pas super bon en défense, mais quand même, je vais le mettre. Christensen, je le remplace avec Sergio Roberto ici en bas. Il a besoin de repos. Sergio Roberto, je le mets aujourd'hui parce qu'on a besoin d'un milieu. J'aurais pu mettre Warrington, mais c'est un gros match face au Celta Vigo. En plus, on est à l'extérieur, donc... Je mets Ousmane Dembélé aujourd'hui. Léon Torres aussi. Aujourd'hui, je crois que je vais le remplacer. Je mets Ansu Fati. Voilà, on va faire comme ça. Match suivant, les guys. Coup d'envoi. Je n'ai même pas vu les tenues si je pouvais changer. C'est parti pour le match. Face au Celta Vigo, je vais passer toute la cinématique. Voilà, j'aurais dû intercepter cette balle. Ça passe plus, attention. On récupère cette balle vite. Et là, c'est le corner, c'est le coup franc que je déteste. Ah bon, heureusement qu'ils ont très vite joué parce que... Voilà, c'est bien, on y va, Frankie de Jong. On va jouer calmement aujourd'hui parce que je vois que l'équipe qui joue en face de nous joue full attaque aujourd'hui, donc... Faut pas leur laisser de l'espace. Mais ils vont me laisser beaucoup d'espace, ça je sais. Je ne voulais pas passer à Jules Koundé, je voulais Dembélé qui avait fait une appel de balle. On va essayer de récupérer cette balle vite, vite, vite. Ah, ça c'est très bien. Ansu Fati qui revient défendre. Ah là là là, il faut pas jouer. Allez, ah non, il n'y a pas vraiment faute, arbitre. Ah, je déteste cette fois-ci. Ils veulent ce qu'on perd. Oh, j'ai cru que c'était. Mais s'il y avait avantage aussi, il ne fallait pas qu'ils sifflent. Ils ont senti qu'on allait marquer et directement il a sifflé. Allez, on y va comme ça. Sergio Roberto. Non. C'est énervant quand ils font ça, c'est énervant. Ah là 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 là. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une jolie passe en tout cas. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Attention. Faut pas les laisser dans la balle. Attention, on porte les gens. Pas assez précis cette passe. Je sens que ce match sera difficile plus que prévu. Ah là là, qu'est-ce que je suis en train de faire du n'importe quoi aujourd'hui. Et voilà, bien sûr, je dois prendre un but. Parce que j'ai fait du n'importe quoi, les gars. J'ai fait du n'importe quoi. C'est moi qui ai fait du n'importe quoi. Là, c'est pour Lewandowski. On va essayer de jouer en défense parce que là, ça ne va pas, les gars. Ça ne va pas. On y va, Sergi Roberto. Ok.
mais qu'est-ce qu'il fout, Lewandowski? Donne un coup de tête. En retrait pour repartir proprement. C'est envoyé dans l'axe. Voilà, c'est le keeper. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah là là là, ça ne passe pas. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Ansu Fati, le centre. Peut-être il fallait que je centre vers Dembélé là. Servi. Il reste encore un peu de temps pour tenter de dégager. Je savais que ce match allait être très très difficile. On connaît Celta Vigo à l'extérieur surtout. Ah là, il y avait une faute. Arbitria, il ne siffle pas. Ça c'est bien, ça c'est bien. Dans la profondeur. Ah, il y a juste partout. Servi. Il s'enfonce côté droit. Ça c'est très bien. Très belle interception. Là, les vents. Ah, il y a toujours un joueur derrière. Récupérer. En tout cas, le but que j'ai pris, c'était mon erreur. J'ai fait du n'importe quoi, mais on sent qu'aujourd'hui, l'équipe en face, elle est super concentrée. Est-ce qu'on va gagner ça? Je sais pas. J'ai essayé de jouer long passe avec... Là, il y a faute et il siffle pas du tout. Voilà, c'est très bien intercepté. Là, il faut toujours réfléchir comment l'adversaire va jouer ce coup. Et là, ça se lisait tellement bien. Allez, on va y aller, on va y aller. Ah non. J'ai voulu faire le super cancel, mais ça n'a pas marché. Sur la gauche. Ça c'est bien. On essaye. On va essayer de jouer tous en attaque parce que je sens que ça va pas du tout devant et je vais amener Rafinha pour nous aider. Avec Memphis Depay. Le FC Barcelone est toujours mené 1-0. Il va falloir se lâcher un peu maintenant pour tenter d'égaliser. Bon, il commence à trop jouer derrière, ça, ça m'énerve. Ok, là. Voilà, peut-être j'ai passé trop tôt. Barcelone qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. Indeed, Grégoire, indeed. Et je sens beaucoup de fatigue de mon côté. La très très belle interception de Piqué. Personne en tout cas, il n'y a personne. Ok, là, là, on est là. Ça peut être bon. La frappe. Ouf. Quel manque de précision. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Pressez plus haut ou laissez les adversaires tirer de loin. Donc, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va ramener du 109 Rafinha venu à l'aide. Et si Lewandowski ça donne plus, je vais amener Dusan Vlahovic. Aïe, 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 j'aurais pu prendre cette balle, mais je n'ai pas pris. Attention, attention, faut pas qu'il passe là-bas. Et là, on récupère calmement parce qu'il sait plus où passer. Allez, Rafinha, Rafinha. Non, j'ai voulu faire une passe longue. Ça n'a pas marché, en tout cas. Peut-être j'aurais dû passer en bas. En tout cas, ce match...
Ce match est dégueulasse, les gars. Ce match est dégueulasse. Si on la perd, si on perd. Et là, je vois Lewandowski. Vas-y, vas-y, Lewandowski. Mais là, il y a faute, arbitre, bordel. Je vais le garder d'abord pour ce coup franc parce qu'il est fort dans le coup franc, mais il ne donne même pas de carton. Ah, c'est le coup franc, les gars. Je vais demander à tout le monde de partir. Là, ça peut entrer, je crois. Oh là là, c'était bien tiré, mais ça ne marche pas. Je vais mettre Dusan Vlahovic. Parce que Lewandowski a l'air épuisé. Le FC Barcelone qui effectue donc un nouveau changement. Il était dans le rouge, comme on dit. C'est le bon moment pour le sortir et donner un peu de temps de jeu à un coéquipier. Ah, Yaya, pourquoi il ne prend pas? Oh, c'est énervant. Allez, prends la balle ici. Allez, on va jouer avec Frankie De Jong. Je crois que... Ah, non, Frankie De Jong aussi fait une erreur. Sergi Roberto est fini. Franck Essier peut-être pour nous aider à la place de Sergi Roberto, que je trouve qui est fatigué. C'est énervant chaque fois. On se dit qu'on a une série de victoires qui va bien. Il y a toujours cette... Attention, Vlahovic peut-être. Et oui! Vaut mieux même un point, les gars. Vaut mieux même un point. Attends, je regarde s'il y a quelques changements que je peux faire. Koundé et Carbo, les gars. Je mets Marco Alonso. Et voilà, il a marqué. En tout cas, je ne sais pas combien de buts il a marqué cette saison. C'est très bien battu, c'est très bien battu. Voilà, Jordi Alba, fini. Et je ne l'ai pas vu, franchement, faire des appels avant. Allez, on y va. Là, est-ce qu'il est hors jeu? Non, il n'est pas hors jeu. Ah, il était hors jeu. J'aurais dû passer bien avant. Il fait des très belles appels. Très bons appels, pardon. Allez, les guys. Allez, on va y aller. Je sens une jolie... Ce gardien est sorti. Mais je voulais pas passer... Attention ici, si on attaque. Faut pas qu'il marque surtout. Allez, c'est parti, dernière attaque. Allez, on va y aller. Il aura le ballon. Ouh, Depay. Ça, c'était le ballon. Peut-être j'aurais dû passer. J'ai cru voir un autre joueur par terre. Donc, je regarde. Non, Kessier, il était un peu loin. Peut-être j'aurais dû pas enrouler. J'aurais dû tirer nettement au corner. On va faire un petit remplacement, un dernier remplacement. Lui, il est fini, il est terminé. Je vais mettre un Araujo. Ah non, il n'y a plus de remplacement possible. Je tire un peu plus loin parce que je sens que... Allez, prends ce ballon de paille. Ah, dégagement. Un but partout. Ce match était difficile. Quoi qu'on va terminer la vidéo par ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les guys. Merci, franchement. D'ailleurs, on va d'abord voir si on est placé 30e. On est premier, les gars. On est premier. L'Atlético a aussi fait un match nul. Non, ils ont perdu, je crois. Je crois qu'ils ont perdu. Ouais, on est premier. Donc, franchement, c'était... Même si on n'a pas gagné, mais je suis très heureux.
Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à plus pour le prochain match, les gars. Je crois qu'on va se rencontrer, on va se revoir au match face au Tottenham. Ce sera en Champions League. Alors, je vous dis à plus, les guys.